Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ravi d'être avec vous pour Destination Paris, notre émission spéciale pour évoquer la plus grande fête du sport qui va avoir lieu cet été dans la capitale française et dans le reste du pays. Désormais, chaque semaine, même heure, nous avons rendez-vous pour évoquer l'actualité des Jeux. Le compte à rebours continue de tourner. Nous sommes à J-64 avant la cérémonie d'ouverture. Et pour cette émission spéciale, nous avons une invitée, Delphine Delru. Elle représentera la France cet été en double mixte de badminton avec son partenaire Tom Jiquel. Bonsoir Delphine et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Alors j'ai avec moi une raquette de badminton. Avant d'évoquer notre actualité, on va parler un peu de badminton car c'est le sport de raquette le plus rapide au monde. Delphine, vous savez quel est le record de vitesse ? Oui, ça a été établi cette année, c'est 565 km/h. 565 ouais. km/h, c'est hallucinant. Plus rapide que le tennis, donc. Oui, bien plus rapide, du coup. Alors, avant d'évoquer le badminton et d'évoquer votre actualité, je vous propose de regarder l'image du jour. Et ça va vous intéresser, Delphine, puisque voici les podiums des Jeux cet été. Ils ont été présentés devant la Tour Eiffel. 68 podiums de ce type ont été fabriqués. Les motifs sur la façade rappellent d'ailleurs les courbes de la Tour Eiffel. C'est donc sur ces podiums que vont monter les futurs médaillés olympiques et paralympiques. Peut-être vous aussi, Delphine Delru, quand on voit toute l'organisation des Jeux se mettre en place, les mascottes, les médailles et ici donc les podiums dévoilés, qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous vous imaginez peut-être sur l'une de ces marches dans quelques mois ? C'est vrai que là, tout commence à se mettre en place et du coup, on a de plus en plus envie d'y être et forcément, on s'imagine dessus à chanter la Marseillaise. Alors, il y a environ une semaine, vous avez eu la confirmation définitive de votre présence parmi la délégation française cet été. Avant d'évoquer plus en détail ces Jeux avec vous, je vous propose de faire un point sur l'actualité de ces derniers jours, puisqu'il y a un athlète français qui est particulièrement en forme à l'approche du grand rendez-vous cet été. C'est Anthony Jeanjean en BMX freestyle, actuel numéro 1 mondial de la discipline. Il a remporté 2 manches de Coupe du Monde depuis le début de la saison. Et il s'est imposé il y a quelques jours au tournoi de qualification à Shanghai. Anthony Jeanjean a fait le plein de confiance pour atteindre son objectif, la médaille d'or à Paris. Plein de confiance aussi pour les rameuses Claire Beauvais et Laura Tarantola, vice-championne olympique de Tokyo en aviron point léger. Vous les voyez d'ailleurs, c'était lors de leur médaille d'argent à Tokyo sur cette photo. Elles ont intégré également le quota olympique pour Paris avec une victoire mardi lors de la régate olympique à Lucerne en Suisse qui offrait les 2 dernières places olympiques. Alors Delphine, vous aussi, vous avez fait le plein de confiance avec Tom Jiquel récemment, votre partenaire en double mixte. Vous avez remporté le championnat d'Europe de double mixte, justement une première pour la France d'ailleurs à cette occasion. Après un début d'année très difficile où les défaites se sont enchaînées, pour vous, ça va beaucoup mieux en ce qui concerne les résultats. Est-ce qu'il y a eu une période de doute en se projetant vers les Jeux Olympiques ? C'est vrai que le mois de janvier a été assez compliqué. On n'a pas réussi à mettre en place notre jeu et du coup, les résultats n'ont pas été bons. Forcément, on a douté un petit peu. On n'avait pas eu de grosses périodes d'entraînement avant ça. Du coup, on hésitait beaucoup sur le terrain. On n'arrivait plus trop à se trouver. Et le mois de février, c'est vrai que ça nous a aidé à nous remettre en selle, comme on dit. On a fait des bons matchs sur le mois de mars et ça s'est concrétisé avec ce titre de champion d'Europe en avril. Du coup, on était vraiment fiers de pouvoir ramener cette première médaille pour la France, cette première médaille d'or pour la France. Et finir la qualification olympique comme ça, ça nous a donné beaucoup de confiance pour la suite. Alors, vous aviez déjà participé aux Jeux de Tokyo avec Tom Jiquel, où vous aviez été éliminé en phase de groupe. J'imagine que cette expérience est importante pour préparer Paris. Qu'avez-vous changé dans votre préparation ? Depuis Tokyo, du coup, maintenant, on travaille avec une préparatrice mentale à l'INSEP qui nous aide beaucoup sur notre communication et aussi pour se fixer des objectifs et aussi pour communiquer avec le staff, etc. Du coup, ça, il y a ça qui a changé. Et on aborde un peu différemment parce qu'à l'époque, c'était le Covid et du coup, on n'avait pas eu beaucoup d'adversité ou de sparring avec nous à l'entraînement. Et ça va changer aussi pour la préparation. Donc, pas mal de petits changements qui, j'espère, vont faire la différence. Vous parliez de la communication, c'est quelque chose qui est fondamental, parce qu'on parle du badminton en simple, il y a le double dame, double homme et double mixte. En quoi c'est fondamental cette communication ? C'est ce qui peut permettre parfois de faire la différence dans des matchs ?
Oui, forcément. Bah, déjà, on communique beaucoup sur nos choix tactiques sur les débits d'échange. Et aussi pour vraiment, puisque du coup le double, on essaye de gérer les émotions de l'un et de l'autre, de céder au maximum. Et du coup, si on ne communique pas, on ne peut pas céder. Donc c'est vraiment le but de travailler là-dessus. Cet aspect un peu mental est peut-être un peu plus important en double qu'en simple, par exemple. C'est très différent, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un d'autre à gérer à côté de soi, c'est plus compliqué. C'est un peu plus de travail aussi pour apprendre à connaître son partenaire du mieux possible et ouais, savoir ce qu'il a besoin dans les moments clés du match. Alors, vous êtes originaire de région parisienne. Le fait que ça se déroule à Paris, c'est un sentiment spécial, j'imagine, pour vous. Il y aura sûrement toute votre famille, beaucoup d'amis. Ouais, c'est sûr que jouer les jeux devant mes amis, ma famille, c'est quelque chose que j'imaginais pas quand j'ai commencé le badminton. Et pouvoir le faire, ouais, c'est un honneur et un rêve. Donc, on va tout faire pour performer le mieux possible devant tout ce monde. Est-ce que avec Tom Jiquel, vous en parlez souvent de ces jeux? Est-ce que c'est tous les jours finalement? Bah ouais, depuis qu'on est qualifié, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Avant, on se concentrait vraiment sur du coup, la qualification olympique qui a duré un an, donc c'était très long. On essaie de ne pas trop se projeter avant, et du coup maintenant, depuis le mois d'avril, ouais, on se projette de plus en plus sur Paris cet été. Et ça se prépare comment? C'est entraînement quotidien avec l'objectif Jeux olympiques? Ouais, entraînement quotidien, deux entraînements par jour. En ce moment, on est plus sur le développement physique et plus on va s'approcher des Jeux, plus ça sera développement technique et tactique aussi et des périodes de match pour pouvoir vraiment être à fond le jour J. Alors, on l'a dit, vous êtes originaire de la région parisienne. Vous aviez débuté le badminton au club d'Aizenville et Couhans. Mmh. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retourner dans ce club récemment et quel sentiment vous avez eu? Ouais, j'y retourne souvent. Bah, ça fait que 2 ans que je joue plus pour eux dans le championnat français. Et ouais, j'y retourne souvent. J'ai encore plein d'amis là-bas, tous mes entraîneurs qui m'ont aidé au début. J'essaie d'aller les voir assez souvent pour les remercier déjà de ce qu'ils ont fait pour moi au tout début et puis pour partager un peu mon parcours et tous mes résultats avec eux. Alors, si je vous ai posé cette question, c'est pour faire le lien avec la rubrique qui suit aux quatre coins du monde, une rubrique qui, chaque semaine, va nous permettre de suivre un athlète dans les coulisses de sa préparation. Nous avions commencé la série la semaine dernière avec le judoka sénégalais Mbanik Ndiaye, qualifié pour Paris. Le deuxième épisode nous emmène au dojo national du Sénégal, là où tout avait commencé pour lui. Regardez ce reportage de notre correspondante au Sénégal, Sarah Sako. Pour Mbanik Ndiaye, comme pour des générations de judokas, tout a commencé ici, au dojo national, véritable temple de la discipline au Sénégal. Plusieurs fois par semaine, l'institution accueille des sportifs de 14 à 17 ans, membres de l'Académie de judo de Dakar. La filière d'excellence a été créée en amont des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Les sportifs suivent un cursus sport-études. Manche à toi. Et c'est un ancien champion d'Europe qui dirige l'entraînement. Le but, à long terme, bien sûr, c'est de pouvoir produire une équipe assez performante pour se qualifier sur un championnat continental, un championnat mondial, aller chercher la qualification sur un championnat olympique et bien sûr avoir les médailles qui vont avec. Cet après-midi, l'Académie reçoit le triple champion d'Afrique en visite à Dakar. Mbanik Ndiaye a débuté sur ses tatamis à l'âge de 8 ans. Rendez fiers vos familles, vos parents, c'est important les gars. À chacun de ses passages dans la capitale, l'athlète vient encourager les judokas juniors. Cette académie représente tout ce qui a manqué au champion. Lui qui a dû partir très jeune en France pour s'entraîner. Ça me fait plaisir. Je sais que la relève est assurée. Même si j'arrête, je vais être tranquille parce que voilà, il y aura d'autres maniers qui vont arriver et ça fait plaisir. Voilà, c'est bien. C'est bien, tu arrives à gérer à l'école et ici. D'accord. T'as de bonnes notes, j'espère. Oui. Parce qu'il faut, hein, il faut. Hein. J'aimerais tellement devenir comme lui. Être une très grande championne en judo. Comme souvent à l'académie, l'entraînement a été rude, mais son niveau n'a pas d'égal dans le pays. Une chance pour ces judokas qui rêvent tous d'une carrière à l'international. Le Sénégal ne compte encore aucun professionnel et n'offre pas la possibilité de vivre de ce sport. Mbanik Ndiaye compte bien apporter un jour sa pierre à l'édifice. Bon, je me verrais bien revenir un jour
au pays pour pouvoir partager mon expérience, faire travailler les plus jeunes et puis faire rayonner le judo partout dans le monde. En attendant, c'est à Paris que Mbanik tentera de faire rayonner le judo sénégalais sous l'œil des aînés de la discipline. Et puis bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour suivre les aventures de Mbanik Ndiaye. De votre côté, Delphine, vous allez tenter de faire rayonner le badminton français à Paris avec votre partenaire, Tom Jiquel. La médaille, c'est un rêve ou un objectif pour vous ? Je dirais les deux à la fois. Ça n'a jamais été fait encore pour le badminton français, donc pouvoir avoir une médaille à Paris, ça serait un rêve. Et en même temps, c'est un objectif parce qu'on a déjà montré sur pas mal de tournois qu'on pouvait faire des gros résultats. Donc, on sera outsider, mais on jouera à fond notre carte. Et en tout cas, on suivra de très près vos aventures, évidemment, et on espère vous recevoir à nouveau ici, mais cette fois avec une médaille autour du cou. Ouais, j'espère aussi. Merci en tout cas d'être venu avec nous, Delphine. Et quant à nous, eh bien, c'est la fin de cette émission de Destination Paris que vous pourrez retrouver également sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Merci d'avoir été avec nous. Et bien sûr, restez avec nous pour plus d'informations.